Lenny, ouais. Good day for you today. Bonne journée pour vous aujourd'hui. Ouais, belle course, c'était vraiment dur. J'ai essayé de durcir dans l'avant-dernier col pour David. Et puis après, j'ai fait comme je pouvais la dernière bosse. Hein. J'étais un peu vide, mais je suis content. Et je sais pas combien fait David. 3. 3, ok. Bon. Piégé un peu par le jeu d'équipe d'Israël qui, okay. Avec Fuglsang et Woods. Ok. Bon, ça va, c'est une belle journée quand même. Ouais, parce qu'il y a quand même des gros noms à l'avant. Hein. Et ouais. Vous étiez là, vous êtes surpris quand même? Ouais, bah je savais que j'avais le niveau à peu près en bosse, mais après sur des courses de 5 heures, j'ai pas l'habitude, ça fait long, ça fait presque ouais, 3 semaines que j'ai pas couru. Alors compliqué, j'ai pas pu forcément aider David sur la fin, mais je pense dans les années futures peut-être que oui, j'aimerais bien. Justement, comment c'est d'être aujourd'hui avec des coéquipiers comme David Gaudu et Thibaut Pilot? Bah c'est super, quand David il m'a dit vas-y si tu veux mets en route dans l'avant-dernier col, ça. C'est quelque chose que quand j'étais plus jeune, je regardais la télé, c'était un rêve, et puis là, c'est un peu réalisé, donc je suis vraiment content. C'est la suite du programme pour vous? Suite du programme, le Baby Giro, je pense, et après Giro Val d'Aoste, toutes les courses en espoir un petit peu, la course à étapes. Merci Annie, bravo, à l'étape.